Bokoloki. Qui? Des paroles fortes sont tombées. Oui, elles sont tombées. Bokoloki. Qui? Des paroles sages sont racontées. Oui, elles sont racontées. Djouke mwana mwasioyo, nalingio tolo. Oh, toi la belle jeune femme, je t'aime vraiment trop. Likamboyaga. Makamboyaga. À l'affiche, des événements vrais. Oui, des événements vraiment vrais. Likamboyaga. Makamboyaga. À l'affiche, des événements vrais. Oui, des événements vraiment vrais. Allô, bonjour madame. C'est concernant l'annonce qui se trouve dans le flanc. Moi, je viens de l'Afrique et d'Isaïre. Oui. Oui, je suis noire. Je suis tout à fait noire. Bomba bomba mabe, lelo na kusakola nyonso. Fungula matoi. Cacher les problèmes ou les emprisonner, c'est mauvais. Aujourd'hui, moi je dirai tout. Alors, ouvrez vos oreilles. Oh, Boulanko, Pesanga inda konala la pongi. Oh, le blanc, donne-moi une maison pour dormir. Oh, le blanc, toutes les démarches, je le ferai. Je noterai les adresses et toutes les adresses. Et le soir, je téléphonerai partout. C'est moi qui ai téléphoné tout à l'heure pour l'appartement. Il me revient. C'est Charles. Mère de Berge adorait les chats, des chats, plus que des rois. Moi, je sais que des rois, c'est pays, je ne suis pas propriétaire ici. Les textes des bourgs ne sont pas très faciles à lire. Tu risques d'être pris dans un maelstrom. Le propriétaire m'a dit qu'il pouvait, je ne sais pas moi, les commettre encore, mais je te raconte. Pourquoi le propriétaire a cédé parce que l'appartement était vraiment révivable. Oh, Boulanko. Mouté ma pembe, kobangate, balater, na kobeta libanga. Oh le blanc, n'aie pas peur, calme ton cœur, repose-le. Pour payer ta maison, je vais bosser. Je vais casser tous les cailloux. Mwendambali, celui qui va loin. Ozako salanini. Ozako beta beaucoup to. Oko buka biki. Augustin, mais que fais-tu? Es-tu en train de casser le bic comme les éternels étudiants de carrière? Ou es-tu en train de préparer ta thèse de doctorat? Oh, Mwendambali, sais-tu qu'en Belgique, tu n'es pas venu tout seul? Qu'Adolphine, la mère de tes enfants, est présente, elle aussi. La Semoule, le foufou de Bruxelles. Il est là lui aussi, et il t'attend. Lui, si semblable à la folie, sujet de ta thèse de doctorat. La Semoule ne se sculpte-t-elle pas dans l'eau bouillante? Et la folie, ne la traques-tu pas dans la littérature négro-africaine? Deux œuvres d'art qui, sous nos yeux, se créent pour nous remplir le ventre et l'esprit. Au Zaïre, ce que j'ai fait la licence en physique. Et juste après avoir terminé, je me suis mariée et mon mari a eu une bourse pour venir ici.
Mais lui travaillait à l'université, il était assistant à l'université d'Isaïr. Alors nous sommes venus ici. Et quand nous sommes venus, c'est vrai, au début, avant de venir ici, moi aussi je croyais qu'ici la vie était moins chère. Hein? On trouvait tout coûtait moins cher et tout. Et après, avant même de venir, il y avait quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'avait dit, comme vous êtes la femme d'un étudiant, vous allez souffrir là-bas, parce que souvent, les femmes des étudiants font des jobs. Alors, il m'a expliqué qu'est-ce qu'un job. Et ce sont donc, les femmes font des travaux de ménage. Alors, moi, je me suis dit, non, comme mon mari a une bourse, moi, je ne peux pas faire ça. J'ai commencé tout d'abord à aller travailler chez Jean et au café. J'ai vendu, quoi, à vendre la bière. Après ça, je suis allée à la maison africaine. J'ai travaillé à la réception. Et après, comme ça ne payait pas bien, j'ai dit abandonner pour faire des jobs comme femme d'ouvrage. Mais avant ça, j'ai demandé à l'ONEM si on pouvait m'engager avec mon diplôme. Et ça, on m'avait dit non, on ne peut pas engager les Aïwa ici. Mais oui, non, non pas quand même. Même. Avec, non, il faut plein. Mais Azani, du on a ma foute une quoi en tout cas, mais une des pilates, non, c'était tout moi. Bruxelles au soleil. Au soleil d'un jour ou de tous les jours. Ah, mon frère, attention, danger. Attention, danger, quand les sirènes prennent pied sur la terre ferme. Ce jour-là, place Jourdan, les mamies Ouata ne se prélassaient pas. Ça discutait ferme. De leurs différents jobs, job d'hier, femme de ménage ou femme d'ouvrage, job d'aujourd'hui, vendeuse, coiffeuse, secrétaire, et job de demain, maman, diplomate ou femme d'affaires. Amdo, où vas-tu si vite? À la porte de Namur, au Matonge, le frère jumeau du Matongé original. C'est lui, des enfants du rond-point Victoire de la zone de Kalamou. Et tu y vas pourquoi? Pour tuer le temps? Yannick, Omona Wapinzoku Alembi Pembenaye. Oh Yannick, où as-tu vu un éléphant fatigué de porter ses défenses en ivoire? Yannick, sais-tu que Kin la Belle est vraiment loin d'ici? Les dernières nouvelles fraîches du pays, comment les savoir? Matongé, tu le sais bien, c'est le lieu de tous les ngengé, de toutes les rencontres. Zala Moutema Pembe, rassure ton cœur. Ngomba na ngomba bakuta na kate, kasi. C'est vrai, deux montagnes ne se rencontrent jamais. Mais deux hommes. Donne-moi le café, mais quand même en penser. Moi c'est si. La plus grande difficulté pour nous. Reste cette étape-là, qui s'en est passé, qui arrive à s'en sortir. Parce que, donc, c'est un homme. Voilà. Non, j'ai compris. C'est-à-dire, il y a ceci. Hein. Moi, je me dis. Il y a de ces gens qui ont une certaine obsession dans le travail. Non, parce que moi, par exemple, écoute, je vais te montrer. Rien. Hein. Comment est-ce que j'ai posté dans ma vie? Écoute, regarde un peu. Regarde un peu comment est-ce que j'ai posé dans ma vie. Hein. J'ai fait d'abord mon planning. Hein. Je dois respecter. Bon, dès que j'ai le planning, je vais maintenant embarquer mes préoccupations. En me conformant chacun de ses points. Jean, nani aïbi Jean na galerie à Excel T. Jean,
Mais qui ne connaît pas Jean aux galeries d'Ixelles? N'est-ce pas lui? Et quelques autres, dont les noms aujourd'hui brillent au firmament, qui ont inventé de toutes pièces à Bruxelles l'Afrique et toute son atmosphère. Quand nous sommes venus nous installer ici, il n'y avait pas du monde, c'est-à-dire il y avait du monde blanc dans la galerie. Et la galerie était vraiment morte. Vous voyez, la galerie était vraiment morte de sorte que l'activité commerciale n'était pas si active, si vivante. Mais petit à petit, nous sommes venus nous installer. Alors, au début, nous avions au moins deux ou trois magasins de Zaïrois ici qui vendaient des pièces wax hollandais et puis quelques produits de beauté africains. Par après, je suis venu m'installer avec le snack que j'ai ouvert à caractère typiquement africain. Vous voyez, ainsi, ça a eu quand même une bonne ambiance pour nos compatriotes qui devaient passer toujours ici afin de revivre l'ambiance de l'Afrique. Ainsi, par après, les voisins, soi-disant les blancs qui avaient des magasins par-ci par-là, commençaient à s'éliminer d'eux-mêmes. Et en s'éliminant d'eux-mêmes, il y a eu maintenant l'immigration de compatriotes africains qui ont commencé à s'accaparer d'un magasin à l'autre. Ainsi, nous sommes arrivés quand même à constituer un effectif assez important dans la galerie. Et la galerie est devenue assez mouvementée. Et c'est là, vraiment dans le cadre purement africain. Cherches-tu toute la poésie du quartier Matongué? Rien de plus simple. C'est le mystère des noms donnés aux pièces wax. Des noms? Le choix est là. Massassi ou massage calculé, Tembena Bambanda ou échec au rival, Loketo Pété ou la taille ou rançon. Encore des noms. Zamba Zamba, Gilette Gilette, Lunette du maréchal. Et j'en passe. Mais est-ce que cette couleur ici n'est pas sortie depuis longtemps? Tu vois, avec souliers, une femme ou ça, un cou bien noir, très joli. On me paraît quand même. Ah, ton mari, il est mieux que mon temps, ouais. Alors, le même. Oui, mais je voulais comparer avec celui-là. Avec ma sache calculée. Tu voulais voir? Oui, oui. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Il faut regarder ma sèche calculée de part de Juge Amongo. Et si, en son temps, tout en couleur, Kafka avait écrit un conte en noir et blanc? Écoutons-le. Mais c'est fait qu'à un certain moment, l'Italienne a constaté la présence des cancrelats dans son appartement. Sa première hypothèse ne pouvait être que les cancrelats d'origine africaine. Donc ces cancrelats sont venus de chez moi. Et à titre de réaction, ça peut traîner, hein. Il y a eu un feedback très rapide. Stimulus, réponse, et la barricade, disons, notre espace que nous partageons ensemble en utilisant un produit, hein, qu'on utilise pour tuer les moustiques. Elle a fait une espèce de triangle, là, pour éviter à ce que les cancrelats qui sortent de chez moi n'entrent pas chez elle. Oh, il s'est fait que c'est tout à fait le contraire, parce que chez moi, il n'y en a pas même un. J'ai dû demander au bailleur une fois, j'ai dit, moi, avec toute ma courtoisie, j'aurais souhaité que tu viennes un peu voir chez moi, parce que tu trouverais pas même un cancrelat. Tu sais comment je suis arrivé du Zaïre? Je suis arrivé sans avoir un bagage sur moi. J'ai tout laissé, c'est l'habitude pour les Aïwa, quand ils viennent ici, on sait qu'on va se procurer l'habillement, tout ça. S'il y a un cancrelat, c'est que je l'aurais peut-être emporté dans mon pantalon, dans mon sous-vêtement. J'ai dû quand même tenir ce langage à mon bailleur. Bonjour, tante. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui, ça va. Oui. Je vous amène en bagne pour couper, hein, les deux pagnes et un libaïa. Oui, j'aime bien ces modèles, mais à métrage, hein, mais pas... En pagne, on le fait en pagne aussi, c'est très bien. Ah, parce que j'ai déjà vu en métrage, c'est très beau.
C'est comme je vous l'ai dit, que c'est souvent... Oui. Donc comme ça, moi, je préfère ceci. Oui. 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 Bon, ceci, alors j'aurais besoin de 4,5 panneaux pour vous. On va enlever les panneaux de ceci. Mm-hmm. Et puis, je vous laisse les deux pains. Je vous prends vos mesures et puis je continue. Oui, ça. Ok. On va, par exemple, comme ceci, là. Je vais enlever un peu. Maintenant, je vous prends vos mesures que je prends. Ce sont des mesures exactes et nettes. Les ampleurs, ça, je le ferai moi-même sur le tissu. C'est pour pouvoir garder ça dans le cahier. Un tour partout, vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver le mot. Votre préparation, votre chronologie. Pas trop décolleté au dos non plus. Légèrement. J'aime bien décolleter. D'accord, je prendrai jusqu'à 20 cm ici. Oh. Justement. Oui, ça va, ça va. Thank you.
le sous-sol. Vient du sous-sol bruxellois le silence où, chaque jour, Emilien recrée les musiques d'Afrique. On a l'impression que les Blancs n'habitent pas sur une terre et que la terre s'arrête quelque part, là où nous nous habitons. C'est que les Noirs, mais disons que les gens que je connais et qui sont peut-être de ma tribu, au-delà de cet espace-là, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir de nouveau la même terre que je vois, que j'ai vue chez moi, et que je revois ici. Et en fin de compte, je ne trouve pas tellement de différence, quoi. C'est peut-être le... Quand j'ai pris le taxi pour venir, je me disais, mais ils ont des maisons. Et ces maisons ressemblent à des maisons du Zaïre. Quand on regarde très très bien, parce que c'est de l'époque coloniale, alors les maisons sont très ressemblantes. Et à la limite, on se disait tellement, pourquoi en fin de compte je suis venu ici, quoi. Puisque tout ce que je vois, je le vois aussi chez moi, quoi. L'impression quand on regarde les Blancs en Afrique, c'est peut-être l'impression qu'ils vivent dans les airs, quoi. Qu'ils ne vivent pas sur terre, et qu'ils vivent comme ça, ou pas sur quelque chose de solide. Hein. Qu'ils vivent sur des choses qui est friable, comme ça, et sur lesquelles il y a des ondulations, comme ça. Beauté Myriam. Beauté Maurice. Sangonini. Sangote. Bongoyo. Gaina Zamalam. Bongonandakunayo. Moke Moke. Kagamo. Yasolo. Yasolo Penda. Lilo Tokosala Nini. Eh bien, en Lingala, dans la conjugaison et dans les mots, on ne distingue pas les gens comme en français. La distinction se fait entre les personnes et les choses. Ainsi, on met dans un même ensemble et les hommes et les femmes. Ils appartiennent tous au genre humain. Et puis de l'autre côté, on met toutes les autres choses, que ce soit les tables, les chaises, ça appartient à un autre ensemble. Maintenant, on va reprendre le pronom personnel et le verbe être. Ngai nazali mutu. Ngai nazali mwasi. Yo ozali mwana. Nazali mwasi. Mwasi. Ye azali mobali. Quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, que tu connais depuis longtemps, mais ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, alors, en ce moment-là, le cri ne sera pas le même qu'avec le quelqu'un que tu vois tout le temps. C'est tout à fait normal, ça. Boniko, je t'ai vu il y a longtemps. Alors, vous embrassez, bon, avec tout le tralala. Mais si, par exemple, c'est quelqu'un que tu connais pas vraiment, mais qu'on vient de te présenter, je ne dis pas que tu n'auras pas une attitude d'affection vis-à-vis de lui, mais disons qu'il y a une sorte de distance. Cela ne se voit que dans les tons. Et votre voix est neutre. Et une sorte de neutralité de la voix.
Alors, en ce moment-là, les gens, je ne dis pas, sont en train de se soupeser. Aussi. Alors, en ce moment-là, lentement, il y a une sorte d'équilibre entre les deux qui s'est créé. À partir de cet équilibre-là, on peut maintenant passer à autre chose. Si, par exemple, après avoir bavardé comme ça, il dit, ah, Bonico, te mets la moi cop. La voix change brusquement. Parce que là, la personne lui propose d'aller boire un petit verre. Mais le fait qu'il ait proposé cela, il fait changer la nature un peu de leur relation. Parce qu'ils deviennent un peu plus resserrés. Alors, le fait, alors que la proposition ne peut pas être donnée de la même manière. Il dit, ah, bon, écoute, tourne-moi la moi, quoi. Ah, ok. Oh, les hommes, qui parmi vous oserait dire que ces trois mamans ne sont pas libres comme le vent, libres et maîtres de leur vie? Voyez vous-même, à leur table, il n'y a même pas une place réservée pour les messieurs. Seule la mort subite, la gueuse, bière bruxelloise par excellence, a droit de citer. Oh, les mamans, seriez-vous devenus de vrais bruxellaires? Compliqué. Puis-je vous l'appeler, s'il vous plaît? Oui. Donc, c'est Madame N Z I K O R U R I H O. Alors, mon prénom, c'est Sopatra. Et voilà pour le Mokobo, le nègre de couleur, le grand choc de l'Europe civilisée. Nog, dat is net dat weer. En voor mijn baard doen te roeien. Ja. Ik wil hier één hebben gelijk, wij voor de tweede. Doe dan. Het is geen zonde hoor. Ja, dat is niet erg. En dan moet je een petitje manger? Oui, de suite. Oui, tout de suite. Ça va. Nee, je kust wel. Ja, voor een tijd, maar ja. Die tijd is om. Maar we zijn nog niet toe. Hallo. Heb je bijna gedaan met werken, jong? Nee, nog niet. Nog niet? Tot 7 uur. Tot 7 uur? Ja. Smakelijk. Dank u.
Adolofina mwana mama, Adolofina. Adolofina mwana mama, Adolofina. Adolofina yo bisalela, Adolofina. Adolofina yo bisalela, Adolofina. Adolofina mwana mama, Adolofina. Adolofina mwana mama, Adolofina. Adolofina yo bisalela, Adolofina. Il me serait très recommandable si l'un de mes miens pense à notre situation très pauvre. Ma tête aux cheveux grisâtres a besoin d'un couvre-chef digne d'un vieux moine. Mes pieds de pointure de 6 réclament une bonne paire de souliers. Et qu'on ne m'oublie pas que je suis couvert des haillons. Ma sœur, merci beaucoup de la robe que vous m'aviez envoyée le mois passé. Envoyez-moi un pantalon numéro 39 et les souliers fermés numéro 38 ou 39. Pourriez-vous m'envoyer encore une autre robe tremblante? Ma sœur, envoyez-moi une montre. Regardez vous-même la photo. Je n'ai pas de montre, une grande personne comme moi. On me disait toujours, oh non, tu vois un jour que tu peux avoir des problèmes avec ton mari, parce qu'il paraît qu'en Belgique, il y a un mauvais esprit, il y a un démon, c'est ce qu'on dit ici à Bruxelles. Alors quand les maris arrivent ici, ils cherchent à avoir les deuxièmes femmes et tout. Parce qu'on a constaté que ce sont ces femmes-là, les femmes libres, qui obtiennent facilement des visas pour venir ici en Belgique. Et comment vivent-elles ici en Belgique? Ici en Belgique, elles font la prostitution, comme d'habitude. Et en tout cas, je ne sais pas, mais ces femmes-là, d'habitude, ne font jamais de job. Quand tu es une femme noire, hein, il n'y a pas de travail pour toi. Même au nettoyage au soir, même à quoi que ce soit. Il suffit d'être femme noire. Si tu es africaine, d'autres races de peau, là il y a du boulot. Mais quand tu es africaine de race noire, là il n'y a pas de boulot. Mais une femme seule, hein, que peut-elle faire à ce moment-là? Enfin, la nuit naquit et le tam-tam réveilla les quatre yeux des hommes, des murs et des rues. Les deux yeux ordinaires qui regardent tout mais ne voient jamais rien et les deux yeux innocents qui ne regardent jamais rien mais voient tous les instants de la vie. Olé ! Olé ! Les lobes au colo et koufi. Aujourd'hui, la journée est vraiment morte. Êtes-vous prêt, monsieur Vandenstock? Êtes-vous prête, madame Denise? Alors, c'est le moment. Sur la polygamie, on donne ceci comme raison, les Occidentaux donnent ça comme raison. Mais en fait, il n'y a pas de raison. L'Africain, il est comme ça. L'Africain, il est comme ça. Quand bien même il aurait une seule femme officielle, il en prendrait bien
une deuxième ou une troisième qui ne sont pas officielles. Hein? Bon, parce que tout simplement, ces femmes-là lui plaisent et que pour lui, dans sa nature, c'est tout à fait normal d'avoir trois ou quatre femmes. Mais pour les femmes aussi, on la prendrait pour une deuxième ou une troisième femme, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mauvais là. Mais écoutez, moi je regrette qu'il y ait certaines femmes soi-disant intellectuelles, des femmes noires soi-disant intellectuelles, qui commencent à élaborer des théories bizarres, qui ridiculisent ce mode de vie. Mais je comprends bien qu'un gars qui n'a pas, qui financièrement n'est pas très bien disposé à avoir deux femmes, qu'il en prenne deux. Bon, la deuxième, elle va se souffrir, hein. Elle n'aura pas le matériel nécessaire à la vie, quoi. Je comprends que ça, c'est répréhensible, le gars devrait se retenir. Mais le gars qui sait qu'il peut se débrouiller financièrement avec des femmes, si la deuxième est d'accord pour être la deuxième, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais remarque que les gens qui parlent, qui dénigrent cette façon de vivre, d'avoir plusieurs femmes, hein, généralement, j'ai déjà remarqué, ils ont eux-mêmes une deuxième ou bien une troisième femme. Hein, que ce soit des Européens ou des Africains. Hein. L'Africain, lui, son problème, c'est que la deuxième, la troisième femme, la quatrième, hein, elle est connue de tout le monde, elles se connaissent. Parfois, ça fait des problèmes de jalousie, il y a des bagarres. L'Européen, lui, il est beaucoup plus subtil. Il les a, lui. Il les a, mais il ne les dit à personne. Il ne les dit à personne parce que madame va introduire une demande à divorce. La loi interdit la polygamie et tout un tas de machins. Mais chez nous, ça n'existe pas. Je répète ton doigt. Non, je ne sais pas. Voilà. Tu viens avec ça? Joli, hein? C'est très joli. T'as envie de te marier avec un Belge? Pas tellement. Tu préfères un Belge? Non, pas spécialement un Belge. Un Européen? Pas spécialement un Européen, même un Africain, mais qui n'est pas Aïrois. Très peu des Aïrois considèrent leur femme. Et ils sont amoureux de leur femme comme on se marie par amour? Nos parents se mariaient pas vraiment par amour. C'était souvent leur papa, leur maman qui voulaient qu'ils se marient. Un mariage arrangé, quoi. Ouais. Notre génération, nous, on se marie par amour, mais après, il y aura toujours une deuxième, une troisième, même une quatrième. Même à Bruxelles? En Bruxelles, c'est pas tellement fréquent, mais il aura toujours une petite amie à côté. Et les Belges, tu crois qu'ils ont plus de respect pour leurs femmes? Oui. Et c'est ce que j'ai remarqué, parce qu'un Belge, même s'il a une petite amie, il peut faire 15 ans avec et sa femme ne le saura jamais. Tu trouves ça bien, toi? Ben oui, parce qu'il respecte sa femme. Il ne veut pas lui faire mal. Oui. Thank you.
vois beaucoup d'exemples chez moi. Un homme qui vit avec deux femmes et les enfants, ce sont frères et sœurs. Et surtout quand les deux épouses s'entendent, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que, bon, quand l'une est malade, l'autre la relaie. Et bon, il n'y a pas de problème pour les enfants. Quand le mari s'éloigne, bon, elle s'aide mutuellement dans les travaux, ce qui fait que... Enfin, c'est la situation idéale. Donc, on ne sent pas vraiment le poids de la maternité, de la responsabilité des enfants, comme on peut le sentir ici, parfois. Parce que, je dirais, ça, c'est un problème uniforme, que ce soit vis-à-vis des femmes africaines ou vis-à-vis des femmes européennes. Je considère que le problème des enfants reste un et unique. Enfin, les hommes, si, ils ont sans doute leur responsabilité, mais... Disons, j'estime que, je sais pas, c'est peut-être une idée personnelle qui s'explique parce que j'ai vécu auparavant. J'estime avant tout que l'enfant appartient à la mère avant d'appartenir à son père. Ça, c'est... Pour moi, il n'y a pas de discussion possible. Ça, c'est comme ça. La finalité d'un couple, c'est faire des enfants. Bon, alors, le nombre des enfants, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous. Il y en a qui en font en désordre, d'autres en ordre indéterminé, selon la capacité de leurs proches. Mais pour les enfants, c'est ça, ça va de soi. On ne se pose même pas des questions pour un couple noir. Ça, il faut le faire. Généralement, une femme mariée dans un couple noir, elle n'utilise pas des contraceptifs. Non. Elle travaille normalement. Après 9 mois, elle se repose et puis après, c'est le cycle qui recommence. Visage de femme. Ah, les femmes, elles n'ont qu'un seul défaut. Vivre entre elles et se faire très belles. Et tout ça, pourquoi? Maman Nangayo, Ngaï Nakoindeke, rien que pour soumettre à leur belle volonté les beaux garçons. Comment? Mais grâce à des complots permanents. Tous les amis de Maman Platine, tous les amis de Maman Claudia et tous les enfants, les amis des enfants sont là. Mais c'est pourquoi? C'est parce que chez nous et dans d'autres sociétés également, nous avons cette habitude de solidarité. Nous pensons qu'en une telle circonstance, notre présence à nous tous est indispensable. D'abord, pour qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. Ensuite, pour marquer l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Enfin, pour que les enfants qui sont concernés, les baptisés ou les confirmés, sachent que la société attache une importance à cette affaire-là. Frères et sœurs, après avoir bien bu et bien mangé, n'oublions surtout pas que l'ivresse conduit au débordement. Alors, si vous êtes débordé, prenez tranquillement le chemin du retour.
Car nos ancêtres nous ont dit et répété qu'après avoir mangé, il ne faut jamais oublier les chasseurs. Merci à vous tous qui êtes venus. Soyez sérieux et bonne soirée. Le soleil ou la lune, qu'est-ce que tu aimes? La lune. Le jour ou la nuit, qu'est-ce que tu aimes? La nuit. Ida, tu te rappelles encore au Burundi, quand vous alliez puiser de l'eau? Je peux vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est allée aussi puiser de l'eau. Mais il se fait qu'elle mangeait des cacahuètes. Elle les mangeait seule, elle n'a voulu partager avec personne. Ses amis lui ont demandé de partager. Non, il ne voulait absolument pas. Et finalement, il se décide à partir. Et au moment où il arrive à la rivière, il fait vraiment noir. Et il y trouve une bête, mais énorme. Énorme. Juchée sur une pierre. Elle avait peur. Et au moment où la jeune fille s'approche pour recevoir son collier, le monstre la met dans son sac et il ferme, il se lève et s'en va. Et donc chaque fois qu'il arrivait chez des gens, il saluait, puis demandait, donc s'adressait à la jeune fille dans le sac en disant « Chante, chante, pour qu'on nous donne à manger. » Et en fait, il la menaçait. Et la jeune fille commençait à chanter. Nari birindi birindi vuga nari mukobwa mukobwa ijana twari tujanye na bamunyana twari kubwiye gusamirana nabwo ubwingo dusamiranye nabwo utindi burangubira